Environ 4 heures bon matin aujourd'hui, un gros bateau pirate ensemble avec deux sombons skiffs qui essayent d'attaquer un bateau garde de la côte Cécile Topaz qui peut retourner dans le pays avec un otage cécélois et iranien qui pirate somalien tient capturé. En rétaliation, Topaz qui réussit à faire exploser sa plus gros bateau et coule un sa skiff tandis que deuxième qui réussit à sauver. Nous rappelons qu'il y a une opération assez risquée hier après-midi, qui Topaz tire ici, libère sa banotaz et capture sa neuf pirates somaliens qui tiennent pour un otaz, suivant l'ordre commandé en chef la force défense PEPCCL, président James Michel. Chef la force défense, brigadier Léopold Payette, indique que la force défense peut gagner plus de formation et peut venir plus déterminée pour défendre nos délots territoriales. C'est environ 4 heures après-midi hier qui Topaz s'est lancé l'attaque d'un bateau qui appelait DAV, qui tient dans l'équipage iranien bord et qui pirate somalien qui a servi pour détenir sa bonne l'équipage ensemble avec six PCSS loin. Dans sa l'attaque, Topaz s'est réussi à faire sa bateau prendre du fait et là tout bon otage ensemble avec bon pirate qui saute de l'eau, quand l'équipage Topaz, Chamazot, commence par bon PCSS loin qui tient le bateau Galaté. Ça l'opération prend environ un heure de temps et après ça Topaz tire pour la route pour Victoria. Côte plus tard, tu fais face avec une deuxième attaque. Vers 4 heures du matin, aujourd'hui, Topaz est attaqué par trois bateaux pirates. Encore, à peu près 40 000 nautiques dans nos zones exclusives économiques. Et ils ont réagi à cette attaque et ils ont return fire, ils ont un petit coup de feu, l'eau saban pirate qui attaque les autres. Effectivement, dans la naissance coup de feu qui est arrivé, Topaz in coule de sa ban bateau, in coule sa mother skiff qui est prend du feu, et puis in coule un autre qui attaque skiff aussi qui prend du feu, et troisième skiff lui il réussit pour sauver pendant que Topaz peut interacter avec ça des les autres. Et Topaz là il finit respond dans le sale attaque. Il continue sur la route vers Mahé, vers Port Victoria. Et il prend des tournées pour la route sa troisième skiff, principalement pour raison qui tient des abans civiliens à bord, ben c'est celui qui nous rescue hier, ben iranien. Et Topaz, son mission, c'était pour rescuer nos bandits. So, il pas nous les mettre, commandant Topaz, pas nous les mettre la vie nos bandits en danger. Il continue la route pour venir retourner pour Victoria. Est-ce que c'est quoi ça l'autre attaque? Est-ce que c'est quoi une attaque par hasard ou bien une attaque revanche vu que Topaz plus bonnet une attaque sa bonne pirate? Non, mon quoi, c'est une attaque par hasard. Bonne pirate, il dans la zone généralement. Et il y en a plusieurs autres un peu partout. Et mon quoi, pour dire, pas confirmé, mais c'est mon croyance, c'est qu'ils ont une mistake Topaz pour un bateau cargo. Et ils ont décidé pour lancer une attaque de faire noir sans reconnaître pour dire ça un bateau de guerre. Chef la force défense Cécile, brigadier Léopold Payette, et commandant par intérim garde la côte Cécile, Major Georges Adeline, il dit que pendant sa deuxième attaque, bande civilien qui s'abonne PC Cécile loin et l'équipage iranien tient de cabine. Et l'attaque qui montre que bande pirate peut venir de plus en plus agressive. Il paraît de ça, et nous disons aussi, des bandes et l'incident qui est arrivé, nous, bande du monde, nous avons plus de training, et nous pouvons continuer à faire du training, et nous faisons ici qui nous délo territorial, les gars éveillés et personne ne peut pas en nous pour comme si nous ne pouvons pas faire rien, nous déterminer pour n'importe qui soit qui peut arriver, n'importe qui coscar avec nos bandes militaires qui a n'importe qui bateau. Nos stratégies tout le temps, il dépend qui est incident qui est arrivé et de plus nos bandes du monde aussi, il y a pas de plus et ta bande qui soit arrivé pour réacter n'importe qui façon qui l'attaque pas arrivé. Voilà, Topaz, tu peux réagir tout seul à ce moment, beaucoup de gens peuvent demander qui est arrivé avec un de vos manches. Non, nous ne pouvons pas mettre des bateaux à la fois, nous avons besoin de quitter en cas s'il gagne attaqué pour nous faire une autre mission. Si on a un pirate qui est de l'autre côté, nous avons besoin d'envoyer l'autre bateau pour nous faire ça l'ouvrage pour être pour nous supporter. Pour le moment, nous avons des bateaux et si moyens permettent qu'ils gagnent le financement, nous gagnent l'assistance avec le pays, nous avons grandi. Si pas ça, nous avons besoin d'un avec ça qui nous a pour le moment pour nous faire le travail. Et moi assurer que ça des bateaux qui nous en nous faire l'ouvrage qui est assez important. Brigadier Payette a démenti l'allégation qu'il y a un autre bateau qui n'a pas été déplacé à cause de nos affaires en cours en relation avec un pirate somalien qui peut gagner ici.
Brigade Zepayette dit qu'il tolède l'opération de garde la côte des pirates somaliens hier et aujourd'hui grand matin, typiquement c'est loin, même si plus bonnes ont tapé certains messages avec un avion les autres la force étrangère dans la région, ils ont aussi en contact avec certains bateaux, bon contact qui vient faciliter le travail. Ministre Morgan a aussi causé les Iraniens qui ont blessé avec un débris dans l'essence coup de feu pendant l'opération pour libérer les autres et qui actuellement permet de l'hôpital victorien après qu'il ait été évacué 10 ans accompagné par un interprète. Les Iraniens ont été blessés dans l'exchange de fire. Là, nous avons essayé de sauver nos bandits, les Sadav, par les connaissances. Et ils ont été répatriés, ils ont été ramenés ici. Par un moyen qui, je ne vais pas dévoiler son bon détail, mais il a amené en avance nous tirer l'autopaz hier soir. Et il a amené ici Maé. Et il est entré à l'hôpital vers 8h bon matin aujourd'hui pour les gagner traitement médical. Il y en a un peu de mal, mais d'après l'information qu'ils m'ont gagné, son petit mal n'est pas critique. À cause que ça suspecte parce qu'ils répatrié ensemble avec les Iraniens pour arriver un peu plus vite. Peut-être pas de savane dans sa deuxième attaque. Non, des moyens qui nous ont servi, pas possible. Nous avons évacué un monde qui était blessé. Et nous avons servi un moyen spécial pour nous faire. Il n'est pas possible pour nous prendre tout le monde dans sa même moyen. Ces officiers service de la santé communautaire, Dr. Anne Gabriel, qui nous causent avec par téléphone, ils ont aussi confirmé que les Iraniens ont admis le WAD, côté stable et récupéré, avec bonne blessé qui pas mazé. Initialement, Topaz si pour arriver Cécile tard aujourd'hui après-midi, mais à présent, il peut arriver demain bon matin. Well, Topaz a un retard à cause des raisons. Premièrement, c'est l'attaque le grand matin, mais aussi, il peut être un Galatée. Galatée est un bateau qui est assez gros. Et nous avons réduit son speed pour ne pas endommager le bateau de l'épétrainé. C'est pour cette raison que nous préférons laisser prendre son temps et y avoir entré demain matin présent.